Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Culturama, le panorama de votre culture. La semaine dernière, nous avons rencontré l'artiste Hervé Tchoupalaski, professionnel du design soupette, qui a su nous montrer que l'art pouvait exclure la technique. Cette semaine, c'est le cinéma qui est à l'honneur. Pour cette occasion, nous sommes allés enquêter sur le lieu du tournage du dernier film d'Umberto Viscosi, Gastéropode en exil. Comment les sons et les images que nous percevons se retrouvent dans nos téléviseurs? Comment capturer l'image et le son pour en faire un film? Un reportage de Patrick Lovitchou au micro de Christelle Tapin pour Moustique Productions. En fait, ce film, Gastéropode en exil, ce n'est pas une stupide histoire d'escargot, si vous préférez. C'est plus profond que ça, c'est une métaphore en fait. Une métaphore de la condition humaine. La condition humaine revue à son point le plus primaire, le plus fondamental. C'est surtout ça, ce film. Bien, c'est bien. Alors, comment on capture une image? Non, mais attendez, revenons à la base. Qu'est-ce qu'une image? Une image de la lumière et des couleurs, bien évidemment. Puisqu'en fait, dans la lumière blanche, ben, il y a toutes les couleurs. Est-ce que vous le saviez, ça, déjà? Donc c'est de la lumière, des ultraviolets, des longueurs d'onde. Et en fait, l'œil humain, il ne voit que de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Et chaque objet prend et rejette la lumière. C'est pour ça que vous, là, votre pull est rouge. Et que cette herbe-là, ben, elle est verte. Que mes chaussures sont noires. C'est parce qu'en fait, elles absorbent toute la lumière. Donc en fait, s'il n'y a pas de lumière, pas d'image, pas de film. Et pas de film. Qu'est-ce qu'un son? Bah déjà, un son, c'est une vibration. C'est la vibration d'un objet dans l'air. On peut pas faire un son sans vibration. Un son, avant tout, c'est une onde. C'est un peu comme la lumière, vous voyez, mais c'est pas comme la lumière. Enfin, la lumière, c'est une particule. Vous voyez, quand on fait tomber une goutte dans l'eau, on voit bien les ondes qui se propagent. Ben, pour le son, c'est pareil. Le son, il se propage dans toutes les directions. Et un son, ça se définit par sa fréquence, bien sûr, qui est exprimée en hertz, mais aussi par son amplitude, qui est exprimée en décibels. Qui définit en fait la hauteur d'un son. On sait que l'oreille humaine, elle entend les sons. Bon, bah, c'est logique. Bah, faut savoir que l'homme entend des fréquences de 20 Hz à 20 kHz. Au-dessus de 20 kHz, bah, on appelle ça des ultrasons. Mais les ultrasons, on peut pas les entendre, il n'y a que les dauphins qui les entendent. C'est logique. C'est comme les infrasons. En dessous de 20 Hz, c'est tellement grave que ben, tu peux pas entendre. Enfin, voilà quoi. C'est ce qui définit un son. La caméra et les micros, c'est un peu le prolongement de ma sensibilité, de ma perception. La caméra, si vous voulez, c'est mon œil. C'est ça qui va prendre l'image. Ce que je vois dans mes yeux, la caméra peut le voir. Les lentilles de la caméra, c'est ma cornée de mes yeux. Le cristallet, c'est les prismes qui va décomposer la lumière. C'est un véritable parallèle. Si vous voulez, la cornée de mon œil, c'est comme les capteurs de la caméra. Il va capturer la lumière et la retransmettre à mon cerveau. Et c'est vraiment magnifique. Et le micro. Ah, mais le micro, quelle belle invention. Le micro, c'est mes oreilles. Vous voyez mes oreilles? Et le micro, c'est la même chose. Et mes tympans, c'est la membrane du micro qui va vibrer et qui va faire bouger les capteurs aussi, comme les marteaux dans mes oreilles, qui va retransmettre ça. C'est magnifique, c'est des outils. C'est ce que je vois, la caméra le voit. Ce que j'entends, le micro l'entendent. C'est comme ça. Monsieur Viscosi, il est bien gentil, c'est un bon réalisateur, mais c'est aussi un artiste.
La caméra, c'est un outil, c'est de la technique. Avec tout le jeu d'optique, avec les lentilles, ça sert à faire converger la lumière. La lumière, elle converge sur le prisme. Le prisme, il décompose mon image en trois images de couleurs différentes, une bleue, une rouge et une verte. Parce que le capteur de ma caméra, il capte que le rouge, le vert et le bleu. Oh, comment ça, ça fait pas beaucoup de couleurs? Oh, ma petite, la lumière, ça s'additionne. Donc, en composant tout ça, on peut avoir 16 millions de couleurs, c'est bien assez. Après le capteur, il capte la lumière et il met de l'électricité. Il y a plein de petites cellules photosensibles. Et avec une réaction électrochimique, ça fait du courant. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est technique. Enfin, on fait tout ça 25 fois par seconde. C'est pour ça qu'on a une image qui bouge. Et puis le micro, c'est vrai que Viscosi, il s'est pas trompé. La membrane vibre, ça fait vibrer un petit aimant autour d'une bobine. Et la bobine, après, transforme le signal acoustique en signal électrique. Enfin, tout ça, au final, caméra et micro, ça fait de l'électricité. Bon, d'accord, on se dépêche, par contre, parce que j'ai du taf derrière et tout. Parce que vous rendez pas compte, vous utilisez le matériel, vous enregistrez votre son, votre image, mais derrière, il faut quelqu'un qui assure encore. Ah, parce que... Les zigotos, une fois qu'ils ont filmé leurs sons et leurs images, c'est bien beau. Mais il faut le synchroniser tout ça. Et ça, c'est le travail de Bibi encore. Hein? Donc, parce que après, c'est de l'électricité tout leur bazar. Une fois que ça sort du micro, que ça sort de la caméra. Et ça, il faut le numériser. Il faut que ça devienne des suites de 0 et de 1 pour qu'un ordinateur puisse le comprendre. Un ordinateur, ça comprend que le langage binaire. Donc du coup, on a un signal analogique qu'on récupère, donc c'est une courbe qu'on va échantillonner, puis on va donner des valeurs finies à des endroits, à ces échantillons, aux endroits de la courbe, aux différents points. Et en fait, après, on va les rendre binaires, donc des suites des 0 de 1 pour qu'on puisse ensuite travailler dessus sur l'ordinateur. Mais là, c'est pas fini derrière. Parce que vous avez imaginé le poids que ça fait, une image prise par une caméra en direct, une nature comme ça. C'est super lourd, donc pour les transferts c'est impossible, il faut qu'on compresse, voilà c'est ça que je cherchais, il faut qu'on compresse le signal. Donc avec tout un tas d'algorithmes et tout, ce qu'on utilise pas mal, surtout au niveau de la télé, c'est le format MP4. MP4 parce que ça compresse, ça garde quand même une certaine qualité d'image, tout en réduisant la taille du fichier. Ah, ça fonctionne un peu, en fait c'est... Par exemple, là, sur cette image, vous devrez avoir le fond qui est fixe. Donc ça change pas au niveau de l'encodage. Par contre, ma main qui bouge, en fait, l'algorithme ne rencode que ma main. Donc du coup, ça allège énormément le fichier et c'est vraiment pas mal. Donc après, une fois qu'on a compressé, on peut le transférer et le faire passer en post-production. Là, on peut dire enfin que le tournage est terminé. Vous savez... C'est un travail d'équipe avant tout, pour faire un film. Parce que moi, je suis l'artiste dans tout ça, mais... C'est surtout l'équipe technique derrière qui est formidable, qui fait un travail fabuleux. Parce que on a Madame de la Fontaine. C'est un peu une magicienne de la lumière qui travaille formidablement. Vous avez Madame Noyce pour le son. Elle a une sensibilité. C'est fabuleux. Et grâce à cette équipe, tout ce que je vois dans ma tête, ils me permettent de le concrétiser. Ce que je vois, ce que j'imagine, je peux vraiment le faire. C'est vraiment... On attrape la lumière et le son. On les capte. On fait un petit peu les signaux et après on les transfère. On peut travailler dessus grâce au travail formidable de Monsieur Glavio qui les numérise, qui les compresse. Je comprends pas tout, mais... Mais il fait un travail formidable qui nous permet de travailler. Et voilà, c'est avant tout ça. On parle beaucoup de la technique, mais l'aspect humain est très important. Donc j'espère qu'on aura réussi un peu à vous expliquer mieux comment ça fonctionne pour faire des films, passer la télé. Et voilà.
Maintenant qu'on en sait plus sur la manière de capturer l'image et le son, la question qui subsiste est comment la post-production travaille en aval. Ça sera le titulé de l'émission de la semaine prochaine, intitulé « Post-production, mon amour ». Merci d'avoir participé à cette émission et à la semaine prochaine.